Donc, nous avons senti qu'en raison des restrictions qui ont été faites par certains chefs d'État, et particulièrement au Sénégal, l'activité commerciale est au ralenti et la production n'est plus au rendez-vous, ce qui va donc affecter nécessairement les coûts financiers donc, dans les ménages et dans les, au niveau des entreprises. Et cela affecte nécessairement la question des baux, surtout les baux à usage professionnel. Selon un premier point, entre les bailleurs et les preneurs, ils ont la possibilité donc de renégocier leur contrat, d'assouplir les termes du contrat pour permettre à chacun d'entre eux de pouvoir exécuter normalement le contrat, la convention. Ils peuvent discuter parce que la loi permet aux preneurs et aux bailleurs donc de renégocier le contrat, de modifier le contrat s'il advient des difficultés économiques. Donc, relativement à la suspension des paiements, relativement aux suspensions des expulsions, donc toutes ces questions peuvent être revues entre les bailleurs et preneurs. S'ils ne parviennent pas à un consensus, la partie la plus diligente a la possibilité de saisir le juge et sur cette question également, l'acte uniforme sur les voies d'exécution permet au juge, donc donne pouvoir au juge de suspendre, autant pour moi, d'accorder des délais de paiement. Donc on parle de délais de grâce. Donc le juge a d'office la possibilité, en considération donc, des difficultés du moment, d'accorder des délais de grâce à telle partie.